Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Mashup 2, donc un logiciel développé par MixTeamKey, que je remercie au passage pour m'avoir délivré gracieusement une licence d'utilisation, en échange duquel je me proposais de faire un tuto. Donc commençons tout de suite. Alors, on lance Mashup 2. Alors, qu'est-ce qu'un Mashup ? Alors, vous avez peut-être entendu au niveau des radios ce nom. Hein, c'est le principe qui permet de réunir au moins un minimum de chansons, de titres qui sont compatibles harmoniquement. Vous les lisez en même temps ou soit alternativement et c'est très fluide. Voilà, c'est le principe du mashup. Il y a des petits malins d'ailleurs qui s'amusent à faire la compète pour aller mettre jusqu'à des 40 titres, voire plus, dans une seule et même composition. Et on se rend compte que plusieurs titres se marient bien ensemble, ils sont compatibles harmoniquement, et c'est tout l'intérêt de ce logiciel. Alors, commençons tout de suite. Ici, là, j'ai pris quelques exemples de titres issus d'une bibliothèque de YouTube, choisie par YouTube, libre de droit, puisque moi, je ne peux pas utiliser ce que j'aurais souhaité prendre, puisque, justement, je n'ai pas les droits d'utilisation. Alors, je vais les sélectionner, et ici, on va les faire comme un drag and drop, on va les glisser dans notre bibliothèque. Alors, je referme. Ici, avec la souris, vous pouvez monter pour agrandir la bibliothèque. Et vous voyez que j'ai les noms d'artistes, le nom du titre. Ici, des statuts waiting, processing. Et après, le tempo a été trouvé. En gros, ça, c'est ceux qui sont en attente. Processing, c'est ceux qui sont en phase de calcul. Et une fois que le calcul est fini, le tempo a été trouvé. Donc, Mashup va nous permettre de trouver le tempo, mais également les compatibilités harmoniques qui ne seront pas données dans un premier temps. Et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, il n'en reste plus qu'un. Voilà. Donc ici, on a plusieurs titres. Alors, je vais en prendre un au hasard. On va prendre celui-ci, par exemple. C'est « Yeah ». Je vais glisser dans la partie supérieure, là où je vais travailler. Et vous pouvez vous rendre compte que là, je viens donc d'insérer mon premier titre, avec donc, ce type d'affichage sera très familier pour les DJ, vous avez le début du titre, la fin du titre, avec des formes d'ondes, avec des pics qui sont bien distincts d'autres, qui correspondent en général aux transients, c'est-à-dire aux coups les plus forts, qui correspondent en général aux coups de rythmique, de batterie, ce qui sert d'ailleurs à générer ce qu'on appelle le time stretch, c'est-à-dire l'art d'aller insérer un autre titre qui n'a pas le même tempo et de l'étirer au tempo donc de la session, soit de l'étirer, soit de le rétrécir sans altérer la hauteur. En gros, j'ai un tempo ici de 101, je peux insérer un tempo de 140, il va s'adapter au tempo à un tempo de 101, donc ralentir sans pour autant que la hauteur du son soit que pour autant que le son soit dénaturé. D'accord ? Et donc là, j'ai inséré mon premier titre qui sera la référence. C'est-à-dire la référence de mon mix sera au tempo donc de 101. D'ailleurs, on peut le vérifier ici. Voilà. Alors ici, vous avez dans un premier temps l'onglet par rapport au projet. Ici, l'onglet par rapport au tempo. Ah, donc pendant que j'y suis, on va faire. Alors là, c'est pour créer un nouveau projet, ouvrir un projet, le sauvegarder, sauvegarder sous un autre nom. Et ici, le sauvegarder et de l'exporter. Alors ici, par exemple, on va cliquer, vous le sauvegardez sur un nom, vous mettez un tag, comme vous le souhaitez, le lieu d'enregistrement, le type de fichier que vous souhaitez enregistrer, en ACC, AIF, en MP3, WAVE, le nom de l'artiste ou des artistes, le titre de la chanson, et votre nom si vous êtes le remixeur. Okay ? Ici, donc, on a les informations sur le tempo, donc on reprend les mêmes informations qu'on a vues précédemment, ainsi que le tempo général de la session. Ça peut être intéressant si, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous importez, je sais pas, par exemple, un tempo à 150, par exemple, ici, alors que l'initial, il est à 100, 101. Bon, c'est sûr qu'on aura un gros écart. Mashup va s'adapter facilement, mais bon, il sera vraiment très ralenti, donc ça ne sera pas forcément génial. Le but, c'est peut-être ici de trouver le bon compromis. Si on a un tempo à 100 et l'autre à 150, on peut dire, tiens, le tempo général de la session, je peux essayer de le mettre à 130.
C'est un bon compromis. Voilà, c'est à ça que ça peut servir. D'accord ? Ici, on a un curseur de lecture qu'on verra après, avec des fonctions de zoom. On va en parler après. Ici, réglage du volume général. Ici, vous allez sur le site officiel pour acheter Mashup et voir éventuellement des descriptions tuto que je suis en train de vous faire. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Maintenant, c'est bien, j'ai inséré mon premier titre. Alors, maintenant, j'ai des compatibilités harmoniques. Vous voyez qu'ici, j'ai des valeurs de 0 à 100%. Alors, les valeurs à 0, c'est même pas la peine d'y penser. Le son sera complètement dissonant. 65%, ben, on est proche de 50, donc il y a une chance sur deux que ça fonctionne au niveau des compatibilités harmoniques. 89, ça devrait être jouable. Et ici, j'en ai 4 qui sont à 100%. Alors, effectivement, j'ai pas, vous allez me dire, je suis limité, mais oui, mais j'ai que 23 titres. Hein. Donc là, par exemple, je vais prendre au hasard un deuxième. Je sélectionne celui-ci et je vais cliquer sur Add. Et hop, vous voyez qu'il va me l'ajouter directement en dessous de l'autre. Il va m'ajuster le tempo à celui de la session. Je peux cacher Hide la liste pour avoir un espace de travail un peu plus confortable. Et là, vous voyez qu'on a un ascenseur qui nous permet d'aller nous déplacer. Là, vous voyez que le titre 2 est plus long que le premier. Donc, on a les possibilités de zoom, ici, pour agrandir si on veut ajuster sur un tempo. Par exemple, là... celui-ci, je veux le caler sur celui-ci. Si jamais le tempo n'est pas forcément bien calé, parce que là, il a importé le deuxième titre par rapport à des transients, vous voyez, il a bien calé, sauf qu'effectivement, le boom là, vous voulez peut-être le déplacer d'un cran. Là, par exemple, celui-ci, je pourrais prendre avec la main, clic gauche souris, et hop, toc, je peux les mettre là, je peux les mettre là, vous voyez. Ici, j'ai mon curseur quand je clique avec la souris, soit ici ou ici. Je peux aller déplacer mon curseur où je veux. D'accord ? Alors, pour les zooms, donc on a zoom ici, zoom in ou zoom out. On a la possibilité avec la touche Alt du clavier et la souris glisser vers haut, glisser vers bas pour zoomer en haut ou en bas. Avec le clavier de la souris, on peut aller monter avec la donc flèche du haut, flèche du bas, pour zoomer in ou out. Avec la touche droite, flèche droite et flèche gauche, on peut aller se déplacer dans le projet. D'accord ? Donc ici, on a une lecture. Bon, alors on va voir déjà si c'est synchro. Bon, ça semble synchro. Vous voyez, déjà, sans rien faire, déjà, Mashup, il a déjà bien synchronisé tout ce qu'il faut. Alors, on va rentrer dans le détail de l'utilisation. Ce qui est la partie, pour moi, la plus intéressante, c'est la partie édition. Alors, vous voyez qu'ici, on a plusieurs boutons. On a un solo, parce que bah, si on veut travailler que sur cette partie-là pour voir les effets qu'on va ajouter, bah, c'est bien de le mettre en solo pour écouter ce qu'on veut faire. Voir s'il y a plusieurs pistes, on peut en mettre deux en solo pour écouter l'effet qu'il pourra y avoir sur deux tracks en même temps. Ici, on a une partie BPM, alors avec ce qu'on appelle un beat match. Alors, le beat matching, je vais prendre l'exemple plutôt sur le second. Vous voyez que ici, à la base, j'ai un tempo qui est de 101. Ici, il me dit le tempo, celui-ci, il est à 120. Si je décoche le beat match pour ce track-là, bah, vous voyez qu'il va remettre à son tempo d'origine. Vous voyez que si je vais recliquer sur beat match, il va le recaler par rapport au track de référence. Hop, voyez. Ici, on a des valeurs de phase qui peuvent être assez intéressantes, parce que vous voyez, alors on va essayer de zoomer un peu plus, pour qu'on puisse mieux se rendre compte. Voilà. Mettons, je vous ai dit, ici, on peut glisser par cran, si vous voulez, comme par rapport à une grille de quantification, nos transients. Ici, vous pouvez l'ajuster de façon un peu plus précise, comme un fine, comme on dit en anglais. Là, vous voyez que, hop, vous voyez que ça se déplace légèrement pour avoir un peu plus de précision. Vous voyez ? Ça bouge très légèrement. Hop, hop, hop. Vous voyez, ça se décale. Alors moi, je vais revenir à une valeur de 0 parce que ça semblait être bien calé dès le début. Toc, voilà. Ok.
Donc, hein, je rappelle, au niveau du ce qu'on appelle le beat matching, hein, c'est le principe de calage du tempo, hein, les techniques de mixage audio qui sont basées en général sur des fondus enchaînés, hein, que les DJ connaissent très bien, pour essayer d'ajuster, de préserver le même tempo. Ici, on a une partie plugin qu'on verra ensuite. Et ici, vous voyez que vous avez, là ou là, des lignes qui vont nous servir à faire des automations sur le volume, par exemple, sur le panning, c'est-à-dire l'effet gauche-droite, sur les EQ, height, mid et low. Alors, je rappelle, les EQ height, ça nous permet de réduire l'intensité des sonorités les plus aiguës, en général les hi-hats. Mid, lui, il va permettre de réduire l'intensité de ce qui se passe au centre. En général, c'est là où se trouvent les voix. Et pour le low, bah pareil, on va réduire l'intensité de tout ce qui concerne les basses et les drums, les rythmiques. Alors, on va prendre un exemple, par exemple, pour le début. Hop, on va faire, genre, on va faire un fade-in. Je vais mettre celui-ci en solo. Ah oui, je reviens dès le début. Toc. Alors voilà, par exemple, je vais cliquer sur un premier point, donc je suis bien sur le volume. Je vais cliquer, je vais faire un premier point ici. Vous voyez que là, je suis à 100%. Et là, je clique n'importe où, un autre, et je reste cliquer, je préserve, je garde le clic gauche maintenu, et je descends ma valeur à 0. Là, je repositionne mon curseur de lecture. Voyez, j'ai un fade-in. Alors après, hop, on revient dès le début avec les deux. Que déjà sans rien faire, on a déjà des résultats qui peuvent être déjà assez sympas. Alors, je réduis le zoom, on va aller sur une autre partie, par exemple ici. Voilà. Je vais régler, par exemple, je sais pas, sur la partie du dessus, je vais aller faire une EQ 8, on va zoomer. On va dire, allez, hop, je fais un premier point, je clique un autre point, je descends. Alors, si vous voulez enlever un point, soit vous redouble-cliquez dessus, clique une fois, fait un point, je descends, je peux faire un clic droit, remove le point, j'enlève le point, d'accord? Donc là, j'en fais un, je vais refaire un autre qui remonte comme ça, on va voir ce que ça donne. Je mets en solo. Alors, je vais essayer de le faire sur une distance un peu plus grande. Voilà, on va aller faire par exemple sur le solo ici. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, avec les voix. Je vais aller justement prendre le mid. On va réduire les voix ici. On va remonter là. Ce que ça donne. Je vais dézoomer un peu. Voilà, ici par exemple, je vais en faire un sur les basses. On va baisser comme ça, on va remonter comme ça. N'importe quoi, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. On va faire un zoom out, on va revenir sur une autre partie en lecture. Ok, alors par contre, je vais vous montrer donc quelque chose qui peut être assez intéressant. Par exemple, sur celui-ci, on va mettre celui-ci en solo, on va aller rajouter un plugin. Alors là, les plugins sont tous les plugins que vous avez installés, ceux qui sont par défaut, donc avec vos audio units, et ceux que vous avez installés gratuitement, ceux que vous avez achetés. Alors par contre, il y en a certains qui ne vont pas fonctionner. Je vais vous donner un exemple, par exemple celui-ci. Voilà. Il va bien le charger, sauf qu'en mettant show, il ne va rien se passer. D'accord? Donc la petite croix pour l'annuler.
Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec celui-ci, le clean sweep. Hop. Donc là, il le charge bien. Très bien. Et là, je vais vous montrer donc une astuce qui va être assez intéressante, parce que certains plugins sont prévus, sont pourvus plutôt d'une fonction bypass, c'est-à-dire d'activer ou désactiver l'effet, ou d'avoir un bouton dry wet de 0 à 100%. Alors, pour tous les plugins qui sont munis de cette fonctionnalité, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir activer sur une partie du track l'effet ou non. Par contre, les plugins qui ne sont pas pourvus de ces fonctionnalités, ça va être embêtant et je vais vous montrer l'astuce comment contourner le problème. Là, on va prendre avec un exemple. Là, j'ai affecté cet effet-là. Ici, on va dire... Voilà. Alors, je veux dire, par exemple, à partir d'ici, je vais sélectionner ici enveloppe. Et là, vous voyez que j'ai tous les paramètres qui sont éditables de mon plugin, notamment le bypass. Alors, je vais sélectionner bypass et je vais dire, voilà, ici, à partir de là, clic, je suis sur off. Il me dit, je suis sur off. Je vais recliquer là, je vais monter. Donc là, je vais être sur on. Ici, je suis on. J'en reclique un autre pour les rebaisser. Donc, ça veut dire là, sur cette portion-là, il va être activé. OK, on fait lecture. Vous voyez, donc là, il est sur off, sur on, et là sur off. Alors ça, c'est bien, je suis content, j'ai mon effet. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, on peut en rajouter d'autres à la suite. Je peux l'inverser, je peux dire, tiens, celui-là, tu vas après celui-là. C'est-à-dire, celui-là, il est en premier, et après le traitement, le deuxième traitement, ça ici. Voilà, OK, on le supprime, je reviens à mon réglage initial. Mettons que, alors sur cette partie-là, on va prendre le deuxième. Là, je vais vouloir mettre un effet filtre avec un style, voilà, un filter avec un cut-off. Voilà, je vais jouer donc avec le cut-off. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai ni de bouton de dry wet, ni de bypass. Alors là, ça va être embêtant parce que si j'applique cet effet à cet endroit-là, eh ben, en fait, l'effet va s'appliquer sur la totalité de mon track, et c'est pas ce que je souhaite, donc ça va être un peu embêtant. Je vais vous donner l'exemple. Ici, je vais dire, tiens, j'ai mon cut-off, je vais prendre le cut-off, voilà, on va le descendre ici, on va le remonter là. Voyez, sauf que là, même si je me mets avant, j'ai quand même mon effet de filtre. Donc là, c'est un peu embêtant. Alors l'astuce qui peut être intéressante, c'est de dire, tiens, je vais prendre cette partie-là. Alors vous voyez qu'ici, j'ai une main pour glisser à gauche ou à droite la position de mon track. Et ici, là, vous voyez que je peux faire une sélection. Et là, je vais prendre cette partie-là. Et là, je reviens où il y a la main et je glisse. Et vous voyez que ça va me créer un fichier supplémentaire. Donc ça me coupe. Donc évidemment, il faudra que j'enlève l'automation. Je double-clique. Toc. Et là, je vais pouvoir dire, tiens, je vais affecter mon cut-off, non pas ici. Alors là, je vais revenir ici sur mon cut-off, je vais le supprimer. Voilà. Et je vais aller sur cette piste-là. Et là, je vais appliquer mon cut-off sur cette partie-là. Toc. Voilà, et là je vais lui dire, hop, cut off, toc, toc et toc. Voilà, et là je vais mettre les deux en lecture. Donc là, sur cette partie-là, j'ai plus mon effet de filtre, et là je l'aurai, mais sur cette partie-là. Comme ça, c'est une astuce qui vous permet de travailler quand vous voulez utiliser le cut-off. Vous isolez la partie de l'échantillon que vous souhaitez traiter sur une autre piste. Ça, c'est uniquement dans le cas où vous n'avez pas de bypass. OK, donc ça, c'est bon. Après, vous pouvez, si vous souhaitez dupliquer, on peut prendre par exemple cette partie-là. Je fais Alt, sélection et je glisse. Et là, je peux aller dupliquer ma piste.
Ok, donc là j'ai ce bout-là avec ce bout-là. Là par exemple, je peux dire ben, tiens, je veux faire un panoramique gauche ici. Là je suis à gauche. Et sur celui-ci, je peux dire ben, tiens, hop, lui je vais le mettre sur la droite. Sur la gauche et ici sur la droite. Voilà, et en lecture. Alors bien sûr, il faudra jouer sur le son parce que comme là j'ai doublé la piste, forcément le volume est plus fort. Mais voyez, bon, toutes des petites techniques qui vous permettent de vraiment moduler. C'est très interactif. En plus, on peut utiliser toute notre panoplie de plugins dans cette composition. Donc je trouve ça quand même relativement extraordinaire et très facile d'utilisation. Voilà, ben, c'en est tout pour la présentation de Mashup 2. Hein, je suppose que vous serez certainement beaucoup plus doué que moi pour faire vos compositions. Ben, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!